Hey, Kiki et Fetiku, et bienvenue pour ce dernier épisode des Hunger Games aux Sims, version Game of Thrones. Évidemment, puisque je vous ai dit que j'allais revenir pour une autre version, ce sera pas la semaine prochaine, ce sera bientôt. On verra quand j'aurai le temps de préparer tout ça. Et aujourd'hui est un très 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 grand jour puisque c'est la finale entre les deux derniers protagonistes de notre série. Il s'agit de Daenerys Targaryen et de Petyr Baelish, deux opposés qui ne s'attirent absolument pas. Et ils vont se battre à tour de rôle. Du moins, ils vont s'affronter de trois manières différentes. Trois manières, rien que ça. Je vous explique, parce que je me suis dit, tant qu'à faire, on va faire durer le plaisir. Ils vont s'affronter tout d'abord à main nue, à corps au corps. Le plus fort remportera la victoire. Puis ils vont s'affronter au jupong. Eh oui, avec la sortie de la donne à la fac, je n'ai pas encore testé le jupong. Donc, ils vont s'affronter au jupong. Ça va, je vous dérange pas? Et en tout dernier, ils s'affronteront sur la stratégie, sur la logique, en faisant une partie d'échecs. Donc, on va les retrouver tout de suite sur le terrain. Et nous voilà. Oh bah, la faucheuse, elle est déjà là. C'est bien, elle va attendre là le prochain qui va arriver. Nous avons donc les trois parties pour cette finale. Nous avons le ring. Oui, hein, bah, un petit ring pour se battre, c'est mieux quand même. La table de ping-pong pour le jupong et la table d'échecs pour la stratégie, la logique. Allez, c'est parti. On va entraîner nos petits protagonistes pour qu'ils se battent. Ok, allez, on va commencer les hostilités. Vous allez être méchants l'un envers l'autre pour faire monter la température. Et une fois que vous serez bien chaud et bien vous vous détesterez, en même temps c'est déjà bien parti, vous pourrez peut-être se battre. Donc on croise les doigts. Je vais crier sur, voilà, c'est très très bien. En plus, elle est quand même censée être gentille, donc ça risque d'être de faire des étincelles là-dedans. Ah, ça commence. Alors bien sûr, ils sont devenus humains, hein, tout ce qu'il y a de plus humain. Mais what? Pourquoi vous faites un câlin, quoi? Vous êtes fous? Ils sont un câlin entre deux insultes, c'est complètement débile. Bon, ça monte. Le ton monte pas mal. Ils sont de plus en plus dans le rouge. Confrontation odieuse. Lui, il est déjà en colère. Donc, tu vas insulter. Voilà, ils vont pas arrêter. Hein. Ça va fuser. Non, non, tu vas sûrement pas être sympa avec lui. Mais pourquoi il... Je lui dis de faire un truc, il le fait pas, cet idiot. Passer un savon. Allez, pouf! Ah! Se battre! Aïe, 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 aïe. Ça y est, ça va être le premier round de cette finale. Oh! Je sais absolument pas qui va gagner, bien sûr, hein, vous savez bien que je n'influence pas spécialement. Voilà, la baston commence. Oh là 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 là. Sachant que ce sera en un seul round ou j'en fais en trois rounds, je ne sais pas. Ah. On va dire un seul et puis voilà. Comme ça, je dis avant. Eh ben, c'est un point pour Petyr. Ah! Oh, ça va pas du tout, mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Allez, un point pour Petyr. On va essayer de passer à la suite rapidement. Le jupong, c'est parti. Daenerys contre Petyr. Deuxième manche. Et hop, c'est un loupé déjà, ça commence bien. Ne sois pas triste, ma belle. Allez. Ah, punaise. Pour l'instant, il gagne. Allez, on va voir ça. Elle boit son petit jus. Vas-y, Dany. Yeah! Ça, c'est bien! Forcément, je veux quand même qu'il y ait un partout, histoire d'avoir plus de suspense sur la dernière partie. Mais, et puis, vous savez très bien que je suis plutôt pour Daenerys, donc voilà, hein. Mais c'est le jeu, hein, si c'est Petyr qui gagne, c'est Petyr qui gagne, hein, voilà. Voilà, il a encore remporté un verre, donc c'est à elle de boire. Voilà, maintenant. Oui, ça c'est bien. Ça s'équilibre, les forces s'équilibrent là légèrement. Bon, il a quand même une toute petite avance, faudrait qu'il se loupe là quand même. Oui, ça c'est bon ça. Ça c'est très bon. Mais pleure pas, oui, après je sais, c'est la mort assurée, hein, si vous perdez de toute façon, donc...
Yes! Maintenant, c'est Dany qui a un petit coup d'avance. Ça me plaît. Ça me plaît parce que oui, c'est Daenerys, mais ça me plaît aussi parce que, eh bien, il risque d'avoir peut-être un petit 1 partout. Oh, bien! Ah, ça se resserre, ça se resserre. Aïe, 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 aïe. C'est la finale, hein. Ça se joue en un coup, donc. Oh là là, ils sont à égalité. Maintenant, il reste un verre partout. Attention. Oui! Ah oui! Elle a gagné la partie! Oui, voilà! La partie de jeu de pont est terminée. Quel jeu de délirant! Le vainqueur est Daenerys avec un score de 4. Désolée, Petit Abelie, je vous ferai mieux la prochaine fois. Et donc, c'est Daenerys qui a gagné un point. Donc, on est vraiment dans le bon timing. C'est-à-dire un pour Baelish, un pour Daenerys. Le tout va se jouer ici, sur la table d'échecs. C'est donc parti pour la partie d'échecs. Allez, Baelish contre Daenerys. C'est parti! Bon, effectivement, la table a changé parce qu'il y a eu un petit bug. Mais tout va bien. Maintenant, on va donc regarder lequel des deux va gagner cette manche et donc la partie finale pour le trône. En espérant qu'il n'y en a aucun des deux qui triche, parce que là, franchement, ce serait pas cool. Et je sais que c'est possible de tricher aux échecs. Bon, là, par contre, je suis incapable de vous dire qui peut gagner ou qui peut perdre d'après ce qu'on voit. Hein, donc, voilà! Ça veut dire quoi là? Oh là là, ça me stresse, hein, je vous le dis pas. L'avenir de Westeros, c'est quand même en jeu. C'est le cas de le dire. Le Westeros des Sims. Quel leader sera pour le peuple? Attends. Qu'est-ce qui s'est passé là? Parce qu'il faut quand même dire ce qu'il faut. Mon Dieu! C'est bien Daenerys qui a gagné. C'est donc Daenerys qui va avoir le trône. C'est vraiment pas fait exprès, les gens, vous allez croire que parce que c'était ma favorite. Je pensais vraiment qu'elle allait crever au tout début et que j'aurais été dégoûtée. Non, la sentence est tombée. Dany a gagné au jupon et aux échecs, alors que Petyr n'a gagné qu'à la baston, aux mains nues. Daenerys est donc la reine de Westeros. Oh mon Dieu, je suis trop contente. Petyr est donc le grand perdant. Et Daenerys, la grande gagnante. Il reste plus qu'à croiser les doigts maintenant pour qu'il se foute le feu automatiquement. Sinon, c'est vraiment pas drôle. Alors, je croise vraiment. J'ai beaucoup de mal à les faire mourir, mes Sims, hein, dans cette partie. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être ils sont immunisés, ils ne voulaient vraiment pas mourir. En tout cas, je croise les doigts pour que le petit feu de camp fasse son travail. Faut que tu crames un peu plus que ça, mon petit. On va pas s'en sortir, nous. Et est-ce que si tu flambes des simflouzes? D'accord, il a flambé 10 000 simflouzes, mais c'est pas pour autant que. Qui brûle lui? Oh là là, mais quel enfer. Oh là là. Mais voilà! Allez, la tronche dans le feu. Bon, j'avoue, il est pas vraiment mort brûlé. Mais j'arrivais pas à le tuer, donc j'ai un peu triché. L'essentiel, c'est qu'il meurt. Il est mort dans les flammes. Regardez, là, bien la tête dans le feu. Donc c'est l'essentiel pour moi. Baelish est décédé. Il est mort. La faucheuse va s'en emparer. Et ma Daenerys est reine de Westeros et elle régnera sur le monde et sur les royaumes jusqu'à l'éternité. Oh, mais Stannis pleure pas. Tu vas avoir un nouveau copain. Ne sois pas tristoune. Allez, petite faucheuse. Prends ton dû. Prends ton présent et emmène-le avec toi dans un autre monde. Un monde où il ne reviendra pas. Un monde où Baelish ne manipulera plus personne. Ne complotera plus jamais. Merci et adieu. L'heure est venue, ma belle. Ma reine, my queen, Daenerys Targaryen, first of her name, the mother of dragons, the breaker of chains. Ma belle, tu es la vainqueuse, la grande gagnante de ce Hunger Games on Sims. Je te laisse l'honneur de rejoindre ton trône et de régner en maîtresse sur Westeros. On applaudit tous Daenerys
Et je suis ravie de ce résultat. Franchement, j'aurais pas pu espérer mieux. J'avais très très peur de savoir qui allait finir sur le trône. Je suis vraiment très très contente. Bien sûr, je n'ai manipulé rien du tout. J'ai vraiment laissé faire à chaque fois. Elle a failli y passer plusieurs fois de très très près. Donc, et je trouve qu'elle revient de loin et je suis ravie que ce soit elle qui ait gagné. Moi, je vous remercie à tous de m'avoir suivi jusqu'ici pour cette petite série de Hunger Games of Sims. J'espère que vous reviendrez pour la prochaine série qui n'aura rien à voir. Enfin, sauf le concept, bien sûr. Je vous fais des très gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, à partager, à vous abonner et à partager la chaîne aussi et à regarder les petites pubs sur YouTube. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao!